Salut les loutres, si tu regardes cette vidéo, c'est que toi-même, au fond de toi, tu sais que tu aimes Furiapolis. Je le sais, ouais. Bon, alors la dernière fois, on t'a expliqué notre projet d'écrire un album made in France. Si t'as pas vu la vidéo où là, on t'explique, tu regardes le lien qui est juste là, tu cliques dessus, tu vas kiffer, tu vois. Toute la base de notre projet est expliquée inside dedans. Alors avant de commencer, une précision, si tu as moins de 30 ans, cette vidéo est purement ludique. Tu n'apprendras rien, absolument rien sur le crowdfunding. À moins que t'aies passé les 5 dernières années dans une grotte à essayer de comprendre les paroles de l'album de Jul, crois-moi, tu sais déjà tout ce qu'il faut savoir. Elle a passé toute la nuit à me peloter. Elle est pas dans le même dél que les filles d'à côté. La profondeur de ses paroles, gros. Vas-y, reviens, wesh. Si t'as plus de 30 ans, comme moi, et que tu sais pas ce que c'est le crowdfunding, eh ben mon gars, t'es au bon endroit. On va t'expliquer ce que c'est. Et viens, tu verras, c'est bien. Bon alors, pour planter le décor, le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? En français, pour t'expliquer, c'est un appel de fonds pour savoir comment qu'est-ce qu'on va faire pour faire un projet qu'on va y arriver pour le financer comment c'est possible. Tu t'es posé la question? Ben nous aussi. Bon alors on va pas se mentir, depuis la nuit des temps, tous les artistes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ils galèrent pour se financer. À moins que tu sois un pur produit marketing, comme par exemple Beyoncé, les Red Hot Chili Peppers, Nickelback, Nickelchrome, Nickel Jackson, Nickelangelo, les Tortues Ninja, Fatal Bazooka, Nicki Minaj, David Guetta, Black Eyed Peas, Katy Perry, Taylor Swift, Maître Grims. Bref, au début de sa carrière, un artiste, quel qu'il soit, il galère. Alors à l'époque, le plus simple, c'était de se trouver une place bien passante avec un bloc de monde, de poser son chapeau par terre, de prendre sa guitare, sa plus jolie voix, et de chanter toutes ses chansons. À l'époque, ce que certains frustrés d'extrême droite appellent les marginaux. N'empêche qu'à l'époque, ça permettait de gagner 3 sous, d'avoir une visibilité. Pas con les marginaux. Et ouais, aujourd'hui, la place la plus passante du monde, c'est l'internet. Et ouais mon pote, Furiapolis 3.0. Donc en résumé, le crowdfunding, putain. L'appel de fonds sur internet, ben c'est faire la manche sur internet, tout simplement. Et ouais, sauf que là, on fait un système de contrepartie. Plus vous nous aidez, plus nous, on va vous offrir des trucs. On va vous offrir des goodies. Des trucs quoi, des cadeaux, voilà, des chouchous, des beignets, des brosses aux flèches, des trucs comme ça quoi, des trucs bien quoi. Enfin, tu vas voir sur le lien qui s'affiche juste là, et tu verras, c'est super cool. Donc, inquiète-toi pas, clique sur le lien qui est juste là, et t'arrives direct sur la page du crowdfunding, comme tu veux, et du coup, t'as qu'à suivre ton intuition et nous aider. Voilà, on a vraiment besoin de toi. Allez, je vous bifle. You bet.